Je ne vois personne de Nyiragongo. Je n'en disconviens pas. Mais il faut aller mener vos activités à Goma, pas à Nyiragongo. Parce que nous avons aussi une lucha qui est respectueuse des valeurs de la République. Effectivement. Nous avons violé la loi. S'il vous plaît. Est-ce que la loi est quelle loi? Ce sont des symboliques qui sont manipulés par des blancs. Merci de nous avoir réjouis. Mais quand les gens viennent vous aider, c'est une situation. Non. Personne ne vient. Ça s'appelle l'aide au développement. Ce sont des gens qui manipulent. Mais moi, je suis en bouche. Non seulement l'ici de l'être, c'est moi, faire des filles, parce que vous êtes manipulés par quelqu'un de la population. On connaît comment est-ce que vous êtes manipulés. Si vous avez un plaisir, il faut. Monsieur Claude, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes militant de la lucha. Nous vous recevons aujourd'hui. Vous voulez réagir à propos d'un article qui a été relayé, publié sur Congo Synthèse. Un article qui a balayé des propos qu'on a portés contre la lucha. Les propos. S'il faut le dire, de la dame, la députée Adèle Bazizani, qui est bien sûr rapporteur également de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Dans ses propos, Bazizani accuse la lucha d'être au service des Occidentaux, des jeunes manipulés, des jeunes considérés comme des machines, des blancs, en fait de déstabiliser Kinshasa, les autorités congolaises. C'est quoi votre réaction? Les propos ou la réaction nébuleuse, des raccourcis enfantés, dépourvus de sens, malheureusement, ont été tenus par ce qu'on peut appeler honorable. En tout cas, ce sont des propos qui ont été à la fois hors contexte et qui ne reflèteraient pas l'image de la femme congolaise. Encore moins d'un politicien ou d'une politicienne de son rang. Et donc, ces propos sont irresponsables et indignes de son âge, d'autant plus que la lucha est un mouvement cohérent, qui a fait preuve de cohérence. C'est un mouvement respectueux des valeurs humaines, respectueux des valeurs démocratiques, un mouvement qui s'est bâti dans tout les respects possibles des valeurs et des principes qui les régissent. Nous avons toujours été cohérents quand on parle de blanc, mais nous avons été le premier mouvement à demander à la MONUSCO de pouvoir partir quand la MONUSCO ne faisait pas bien le travail. Alors qu'au début, on disait que la lucha était à la merci de la MONUSCO. Nous avons été le premier et elle, il faut la demander, elle est du camp au pouvoir, elle n'a jamais tenu un seul propos à l'égard de celle-là qu'elle appelle le blanc. Mais nous, on est là, merci corps, parce que c'est à propos de cela dont elle a fait allusion. Mais merci corps n'est pas une organisation congolaise, c'est une organisation du droit américain, basée à Londres et en Écosse. Mais nous avons tenir en tout cas des propos dire envers cette organisation pour les amener, n'est-ce pas, à être transparents dans la gestion de leurs projets. Chose que ces députés-là, chose que cette dame-là n'a pas su faire. Et donc, on qualifie ça en tout cas des réactions, des raccourcis qui reflètent un esprit faible et mal éclairé et qui ne comprend pas la profondeur de la lutte non violente et de la lutte de la lucha. Notre lutte n'est plus approuvée, notre intégrité, notre sens d'honneur n'est plus approuvée. On est un mouvement qui a été à la fois qualifié d'être à la merci des politiciens, être à la merci des Occidentaux, tantôt un mouvement de l'IDPS, un mouvement des politiciens ou de la communauté internationale, mais à la fin des comptes, on a compris que la lucha, c'est un esprit éclairé, c'est un esprit libre qui s'exprime et qui s'est resté cohérent malgré le vent et le vague. Et donc, ces genres de propos
sont des propos vraiment enfantés et irresponsables, indignes d'une femme de son âge. Mais vous dites que ces propos ne sont pas vraiment indignes. Une femme congolaise, elle ne peut jamais tenir de tels propos. C'est-à-dire, vous doutez de sa nationalité, s'il faut le dire comme ça. Non, je ne doute pas de sa nationalité. Loin de moi, ce genre de considérations. En tout cas, je ne voudrais pas tomber dans ce genre de considérations qui sont assez spécifiques. On est un mouvement respectueux des valeurs humaines. On est un mouvement qui se bat pour la dignité humaine. Oui. Nous, on voudrait recadrer l'opinion tout en respectant sa dignité, parce que après, elle est une femme. Et elle est une citoyenne congolaise. On reste dans ces cadres-là. Mais tout ce que nous disons, ce qu'elle reflète une politicienne de façade, en tout cas son rat, on considère que c'est une personne qui aurait pu avoir un petit sens d'honneur et tenir des propos qui racontent la rationalité. Si nous avions été dans son électorat, dans son fief, on a été curieux de réaliser que la plupart des gens n'ont même pas accès à l'eau. Et si nous disons que Mercicorps devrait faire preuve de traçabilité dans la gestion de ses projets, c'est pas parce que nous cherchons autre chose. Nous battons pour l'intérêt général et elle devrait en amont se battre aussi pour cet intérêt général et ne pas être ambassadrice des organisations internationales. Pour dire qu'elle serait corrompue, alors s'il faut le dire comme on ça. On a été surpris de réaliser que, en tout cas, une femme qui est censée Adèle Bazizane, qui est censée porter très haut la voix du territoire de Nyiragongo, très haut la voix de la République démocratique du Congo, s'est trempée dans la défense d'une organisation internationale plutôt que de défendre les intérêts du pays. Et indirectement, elle ne défendait même pas les intérêts de cette organisation. Mais plutôt les intérêts de certaines personnes dans cette institution. Comment une personne, alors qu'on est en train de demander sur le travail, la transparence sur les travaux qui ont été exécutés, comment elle n'a pas pu rejoindre notre camp, plutôt elle a préféré défendre. Parce qu'il vous considère être manipulé par les Occidentaux, il faut le dire. C'est ça malheureusement les raccourcis que nous sommes en train de qualifier de nobilés et vides de sens. En tout cas, c'est vide de sens et ce sont des propos irresponsables qui ne reflètent pas l'image d'une politicienne de son niveau. Monsieur Claude, parlez-nous, selon vous, pourquoi Bazizane a tenu de tels propos? Ça n'est pas la façon dont vous les qualifiez. Selon vous, c'est sur base de quels fondements? Plusieurs facteurs entrent en jeu, mais peut-être que d'autres, elle serait responsable et elle serait la personne la mieux indiquée pour y répondre. Mais pour nous, nous pensons qu'à la fois, c'est la mauvaise foi. En tout cas, c'est la mauvaise foi. C'est une prétention. C'est une façon de se faire voir, de se faire valoir et prendre la défensive d'une organisation. C'est du populisme. Non seulement le populisme, mais aussi il y a un intérêt caché derrière ces propos. Elle veut se faire l'image devant cette organisation et devant l'opinion pour essayer, n'est-ce pas, de profiter... Défendre ses propres intérêts. Mais quand on est là, on est en train de défendre l'intérêt général, on dit voilà, Mercicorps devrait construire 300 bornes, devrait construire des réservoirs, devrait élargir la tuyauterie dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Et quand l'on demande des questions sur ou des éléments sur le dit projet, et que ce soit notre député qui prenne la défense de l'organisation plutôt que de l'inviter
à fournir des éléments probants sur la gestion. Les propos qu'elle a tenus, ce sont des propos qui sont très loin de la réalité, parce que même dans le chef de la population, c'est une diffamation. La population connaît ce que fait la Lucha et la population n'a pas besoin, en tout cas, des propos hors contexte, des propos qui s'inscrivent dans un populisme politicien pour, n'est-ce pas, se créer une certaine notoriété. La population connaît le travail de la Lucha, connaît l'identité. Ce sont des propos purement diffamatoires et des propos hors contexte et qui sont indignes d'une femme de son âge, indignes d'une députée de son rang, indignes d'une femme qui prétend défendre les intérêts collectifs. En tout cas, nous, la Lucha, on sait ça, on sent qu'on est très loin de ça, on a d'autres priorités. S'il y a quelque chose à faire, je pense que peut-être c'est à la population de pouvoir le faire, mais nous, en tout cas, on a plusieurs fronts, on a plusieurs questions à traiter que la personne de Bazizane. On sait qu'elle est... Elle ne pèse pas, c'est ça. En tout cas, par rapport à nos priorités, elle est très loin d'atteindre même la cheville de nos priorités. Et donc, on n'a pas assez de temps de prêter l'attention à une femme qui a décidé de vendre sa conscience, à une femme qui a décidé d'éternir l'image de la femme congolaise, d'éternir l'image des politiques congolaises en tenant des propos enfantés, des propos irresponsables, des propos indignes, des propos vides de sens à l'endroit des mouvements qui se battent pour l'intérêt collectif qui est la Lucha. Oui, monsieur Claude, peut-être l'avant-dernière question, vous dites que Bazizane ne pèse pas à la Lucha, mais vous savez, quand elle parle, la dame, il faut revenir sur cette question, elle parle comme une grande personnalité de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, c'est-à-dire elle pèse, quand elle parle, c'est la population qui écoute, parce qu'elle représente toute une grande institution, s'il faut le dire comme ça. Mais quand même, Lucha, quand elle voit tous ces poils-là de Bazizane, toutes ces casquettes qu'elle a, c'est le vous qui a diffamé le mouvement. Lucha, merci. La Lucha pense qu'elle a assez de priorités. La Lucha n'a pas le temps de porter son attention sur un esprit faible et mal éclairé qui a décidé de tenir des propos indignes et irresponsables. Il y a un travail que nous faisons, un travail de sensibilisation de la population, un travail d'éveil des consciences, un travail de la défense de l'intérêt collectif. Et donc, la Lucha n'a pas le temps de pouvoir initier quoi que ce soit. En tout cas, aucune action, on n'a pas le temps d'initier des actions ni d'aller se prendre à la justice, parce que même dans l'opinion, déjà l'opinion ou la population congolaise sait déceler le vrai du faux. La population congolaise sait ce que c'est la Lucha, sait ce que la Lucha fait et sait en tout cas déceler ce qui est vrai, ce qui est à retenir et ce qui est à rejeter. Le propos tenu par Madame Adèle Bazizane, nous le prenons dans une considération, en tout cas des chiens écrasés, en tout cas la caravane, les chiens aboient et la caravane passe. Nous, on a plusieurs priorités à faire, on a beaucoup d'actions à faire, on n'a pas le temps de porter notre attention sur des petites choses tenues par des petits esprits, on a mis à faire que ça. En tout cas, cette mise en garde va au-delà même de la personne de Bazizane. C'est une mise en garde que nous lançons à tous les politiciens qui ont une conception erronée. Ce n'est même pas une conception erronée, mais une conception rongée par la mauvaise foi, de pouvoir se ressaisir. La population attend mieux que ça. La population n'a pas le temps d'écouter des propos hors contexte, des propos diffamatoires et populistes. La population veut des actions concrètes et c'est une responsabilité qui incombe à toutes les autorités, qui incombe à toute la classe politique. Quand on est
un homme politicien qui a emmené une femme politicienne, sa responsabilité est d'impulser des actions à même de porter des solutions à la population congolaise que de tenir des propos, des raccourcis injustifiés et vides de sens juste pour se défendre et se prévaloir ou se créer une certaine notoriété. Merci, merci Claude de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci, monsieur le journaliste.